Alors aujourd'hui nous sommes à La Madeleine, une commune au nord de l'île, et nous allons voir un appartement situé juste ici. Je vous montre un petit peu les environs, on est dans une rue commerçante. On va avoir des arrêts de bus qui sont à proximité. On n'est pas très loin de la mairie de La Madeleine qui se situe juste ici, l'hôtel de ville. Je vous propose de découvrir l'appartement, c'est parti! Voilà, nous venons de rentrer dans l'immeuble. Vous avez pu le constater, il y a un commerce, un snack qui est juste au rez-de-chaussée. Et l'appartement se situe au premier étage. Il n'y a que deux appartements dans l'immeuble. Alors, nous entrons directement dans le séjour. Vous allez avoir l'interphone qui se situe juste ici. Nous entrons devant la cuisine. On va avoir un évier, trois plaques vitrocéramiques, une hotte et différents placards de rangement, que ce soit des placards hauts ou bien bas. Voilà, notamment des tiroirs. Nous avons un volet qui est actuellement baissé et bloqué, mais qui va être réparé. Je vais vous montrer la pièce principale. Malgré que le volet est baissé, ça reste très lumineux. Donc ça, c'est vraiment sympa. Au sol, on a un parquet stratifié. C'est plutôt agréable. En fait, non, c'est un vinyle. Je me suis fait prendre, c'est un vinyle imitation parquet. Celui-là est bien imité parce que, est bien posé parce que je me suis fait prendre. Voilà la pièce principale. Ah, c'est spacieux. Malheureusement, EDF a coupé l'électricité avec le précédent locataire. Mais vous voyez, quelques spots ici, c'est vraiment sympa. Juste ici, on va trouver une petite pièce plutôt technique. On va retrouver le ballon d'eau chaude ainsi qu'une arrivée si on veut mettre une machine à laver. Alors, voilà une petite pièce de stockage. Je vous montre un petit peu les environs. Voilà. Je vais vous montrer la vue. Au niveau des fenêtres, on est sur des fenêtres en double vitrage PVC. Donc l'appartement, les peintures ont été refaites. Ça sent encore la peinture. Juste ici, on va trouver les toilettes. Donc ils sont séparés de la salle de bain. Et oui, comme je vous disais, au mur, on va trouver de la peinture. Vraiment toute récente, parce que ça sent encore la peinture dans l'appartement. Voici la pièce plutôt côté chambre, on va dire. Voilà. Et qui donne sur la salle de bain. Si cet appartement vous plaît, eh bien n'hésitez pas à déposer votre dossier directement sur notre site internet. À très bientôt.